du côté de Maëva, est-ce que vous avez des petits dossiers? Je ne lui pose pas la question elle, parce que je sais qu'elle ne me répondra pas. On va la laisser réagir. Ça va être très simple. Moi, ça va être très simple. Maëva, dis tout ce que ça reste entre nous, dis tout ce que tu as à dire. Et non, tu ne vas pas tout dire, tu n'as pas intérêt. Et je te dis. Il m'a rodé. En gros. Il y a eu rapprochement entre Maëva et quelqu'un. Ah ouais, mais quelqu'un. C'est forcément alors, pas Kevin, c'est forcément dire, pas je vais te dire quelque chose. Paga. Non, je vais te dire quelque chose. Ah bah non, Paga, je sais qui c'est. Elle a eu un rapprochement avec quelqu'un qui n'est pas né à Marseille. Nicolas Lodzina. Mais oui, c'est ce que j'ai vu. Merci, tu m'as rappelé. Non, non, c'est Nicolas. Il me semble même qu'il y a une photo qui avait filtré sur les réseaux sociaux. On voit dans le générique, je me trompe ou pas? Non, là, je parle pas du générique. Il y a une photo sur les réseaux qui a filtré en boîte de nuit dans laquelle vous vous embrassez. Oui, c'est une vidéo. Voilà, donc j'ai bonne mémoire. Merci. C'est vrai. Ok. Mais ça, c'était avant le tournage des Marseillais. Mais non, c'était pendant. Ah, c'était pendant. Oui, okay. C'était des personnes. C'était en in, c'était filmé. Oui, c'était filmé. Et c'était des personnes qui nous ont snappé, qui nous ont mis sur les réseaux. Mais qui? Je sais pas déjà. Des Australiens. Enfin, des Français. Des Français qui étaient en voyage en Australie, qui nous ont filmé, qui ont mis ça sur les réseaux. C'est ça. Et tu as confiance en Monsieur Lodzina? Ah. Ok. T'as quelque chose à dire? Tu veux l'argent passer là? Il t'en a fait voir de toutes les couleurs. Je vais te dire un truc. Il t'a trompé. Non. Après, on ne sait pas s'ils sont mis ensemble ou pas. Il y a eu un bisou, il y a eu un rapprochement. On a pas dit que c'était ensemble. Mais on sait ce que ça veut dire. Je vais te dire un truc. Ils étaient très drôles tous les deux. Oui. Ils étaient très très drôles. Pourquoi très drôle? Dans leur façon de faire, dans leur façon de dire. C'est-à-dire beaucoup de disputes. Dans leur complicité. Et même dans leur dispute, ils étaient. Je me rappelle des trucs d'ailleurs. Je te jure, elle est très drôle. Les garçons. Je suis à l'air ému. Non, pourquoi elle est amoureuse? Non, grave, je sais pas, je me pose la question. Ah, t'étais amoureuse de Nico? Non, mais pour de vrai? Non. Allez, sois sérieuse. Non, pas du tout. Non. T'es pas tombée amoureuse de Nico? Non. Il t'a pas brisé le cœur? Si, il me l'a brisé. Bah alors, si t'as, excuse-moi, mais alors, voilà. Le dernier jour, il me l'a brisé. Non. Moi, quand on me brise le cœur, excuse-moi, je suis mal. Il m'a brisé le cœur. C'est Nico. Pourquoi tu dis Nico? Mais tu es dans mon cœur, toi? Expliquez-moi ce qui s'est passé. Expliquez-moi ce qui s'est passé qu'on comprenne. Entre Nicolas et Maëva, en fait, ça a été. Je sais pas comment. Mais attends, dis trop, chérie. Ouais, voilà. Elle a même pas parlé. Elle a pas parlé. Non, mais j'ai parlé. Oui, mais je la connais tellement que je sais quand elle va trop parler ou pas.